Bonsoir, monsieur Toureur. Avez-vous fait un bon voyage? Oui, mais... Je suis de la police criminelle. Le procureur Elberg a ordonné que vous soyez sous ma protection. Mais j'ai déjà expliqué au procureur que ce soit par téléphone, par écrit. Oui, je sais que vous ne désirez pas la protection de la police et que vous pensez que c'est du superflu, mais je crois c'est que... C'est inutile et c'est très dangereux. Dangereux? Mais nous sommes là. Mais c'est justement ça. Je signerai ma déposition demain, comme convenu. Quant au reste, je peux... Monsieur Toureur, j'ai reçu l'ordre de vous accompagner à l'hôtel. Nous avons fait une réservation. Je n'ai pas besoin d'hôtel. Je suis invité chez ma belle-sœur à Pasi durant ces deux jours. Bon, eh bien, je vous accompagne. Je suis garé juste à côté d'ici. Je préfère prendre le métro. Oui, mais vous avez besoin d'un taxi. Le métro ne va pas jusqu'à chez votre belle-sœur. Et c'est tellement plus facile en voiture. Puisque vous y tenez, allons-y. Nous aurions dû tourner à droite, juste après le pont. Oui, avant, la route n'était pas encore barrée. Voulez-vous me tenir ça? Je vais aller voir quelle est cette route. Réveillez-vous, monsieur Toureur. Allez, levez-vous. Monsieur Toureur. Allez, mon vieux, réveillez-vous. Monsieur Toureur. Thank you.
carte d'identification pour porteur de pacemaker. Il avait un pacemaker. Maman, veux-tu retourner te coucher? Mais ça fait des heures que je t'attends. J'ai dû réchauffer ton porc au moins 3 ou 4 fois. Oui, merci, maman. Et va te coucher, s'il te plaît. Allez, bonne nuit. Allô, c'est Max. Écoute, ça va très mal. Non, tout le reste a très bien marché. Mais oui, il est ici, mais il est mort. Son cœur a flanché. Ce type avait un pacemaker. Enfin, pourquoi personne ne m'a rien dit? Oh, me calmer. Mais c'est facile à dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse du cadavre? Mais je ne vais pas le garder chez moi, quand même. Quel chemin tu veux prendre? À gauche, il y a moins de boue. Hé, hey, Petra! Oh! Tu t'es fait mal? Non, je crois que... Tu peux te lever? Je sais pas. Oh, regarde mon vélo. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne pourrais pas le réparer tout seul. Qu'est-ce que tu proposes? Bah, il y a un village pas très loin d'ici. Je vais y aller. Et moi? Assieds-toi là. Là? Mais c'est plein de boue. Ce sera pas long. À tout à l'heure. Essaye de ne pas trop traîner. Thank you.
Qu'est-ce que tu fais là? Lève-toi, je t'emmène. Je te déconseille de crier. Amène-toi. Allez, prends ton vélo. Allez, et vers la rivière. Allez, remue-toi. Et plus vite. Et surtout, n'essaie pas de filer. Allez, maintenant, avance. Allez, prends tes affaires. Faut pas laisser tout ça ici. Allez, plus vite. Non. Allez, monte dans ta voiture. Non, je veux pas. Laissez-moi. Vas-y. Non. Non. Jamais ça, t'as compris? Ah, où est-ce que vous allez m'emmener? Tu verras bien quand on y sera. Ce garçon qu'on a croisé, c'était mon ami. Et s'il ne me trouve pas, il ira tout de suite au commissariat. Vous avez compris? Je vous en prie, laissez-moi m'en aller. Je dirai rien. Je vous promets. S'il vous plaît. Petra? Petra? Thank you.
Vous allez toujours tout droit, et après le pont, vous tournez à gauche. À gauche? Oui. Ok, j'ai compris, merci. Oui, je connais très bien cette région, mais... Ah bon? Oui, oui, je comprends. Très bien, on vient tout de suite. Henri, tu peux laisser tomber. Pourquoi? Allez, dépêche-toi, il faut que je prévienne Léo. Fiche-lui la paix. Tu peux me dire ce qui se passe? Allô, Léo? On a découvert un cadavre. Dans le canal de l'Isard, on l'a retrouvé enveloppé dans du plastique. Il y a aussi l'enlèvement d'une jeune fille. D'accord, on va se te prendre. Alors, Centrale, vous m'entendez? Quel âge a-t-elle? Elle a 18 ans. Et elle travaille? Non, elle est encore étudiante. Vous êtes un de ses camarades de classe? Non, je suis jardinier, apprenti jardinier. C'est moi qui m'occupe du jardin des Steiner. Qui est Steiner? Un banquier, le père de Petra. Donc vous avez fait la connaissance de Petra en travaillant chez elle? Oui, absolument. Et nous avons sympathisé. Ah, c'est votre petite amie? Bah oui, c'est exact. Bien, le père de Petra est au courant? Pourquoi? Qu'est-ce que vous comptez faire? Ah là, mon garçon, attendez-vous au pire. Qui a pris la décision de sécher les cours? C'est vous? Non, en ce moment, j'ai du travail par-dessus la tête. Mais quand Petra a une idée... Quand est-ce que vous commencez les recherches? Sans piste, je ne pense pas que nous irions très loin. Est-ce que le paquet est arrivé? Quel paquet? Je ne sais pas au courant. Tu pas encore reçu? Non, j'ai rien alors reçu. Il est sûrement à la poste. Tu veux bien y aller? Bon, si tu veux, mais ça écoute, peut vraiment pas attendre. Non, c'est très urgent. Oui, c'est une pièce de rechange. Tiens, voilà de l'argent. Et avec la monnaie, eh bien, tu t'achèteras ce que tu voudras. Mais allez, fais vite. Tous les voyages sont bons. Ouais. Tes affaires. T'as rien oublié? Et l'adresse? 6 rue Genauer. Et il ne reste plus rien? Aucun papier, aucune étiquette. C'est du travail de pro. Il a un pacemaker, c'est tout ce qu'on sait. Monsieur Pelzer. Oui? Les photos seront prêtes dans combien de temps? On est loin du labo. Ah, et j'en ai pour 2 heures, est-ce que ça ira? Et j'ai besoin d'un portrait. Seulement, j'en aurai besoin tout de suite. Et pas un appareil instantané? Si, dans ma voiture. Eh ben, allez le chercher. Bon, on va vous ramener chez vous. Et qu'est-ce qu'on fait des bicyclettes? Les hommes vont s'en occuper. Suivez-moi. Vous pouvez ouvrir, s'il vous plaît? Ne prenez que le visage, surtout. J'ai besoin d'un gros plan. Faut attendre un peu.
Attendez. Est-ce qu'on peut s'arrêter ici une minute? En revenant du village pour rejoindre Petra, une voiture a fait une embardée. J'ai cru qu'elle voulait me foncer dessus. Et puis, elle s'est même pas arrêtée. Il y avait un passager avec le conducteur? Non, il me semble qu'il était tout seul. Il était vieux, jeune? Environ 40 ans. C'était une voiture de quelle marque? Aucune idée. Je sais seulement que c'était un break. Est-ce que vous avez pu remarquer une inscription quelconque sur la voiture? Non, rien. Est-ce que vous vous rappelez de quelle couleur elle était? Elle était rouge. Une sorte de rouge. Peut-être rouge-rouge. Quelle précision! Allons-y, Gert. Où allons-nous? Tout d'abord, chez Monsieur Pagel pour qu'il se change. Et ensuite, chez les parents de Petra. Où habitez-vous, Monsieur Pagel? 19 avenue de Koblenz. Gert, c'est toi qui iras prévenir les parents de la jeune fille et vous irez avec lui, Monsieur Pagel. C'est nécessaire. Ses parents doivent être mis au courant de toute façon. Alors, autant y aller tout de suite. Henri, nous irons ensemble au service de presse. Entendu. Le service de presse, s'il vous plaît. Allô, Herbert? C'est Kress. Oui, dis donc, j'ai besoin de votre aide. Je dois passer une photo au journal télévisé. Et c'est pour une identification. Ah, c'est extrêmement urgent. Est-ce que... Hein? Oui, c'est ça. Bon, à tout à l'heure. Je serai chez vous dans quelques minutes, à peu près. Tu veux faire diffuser la photo de Petra? Non. Pour le moment, ce serait une erreur. La piste qui nous conduira à elle passe par l'identification du cadavre. Qu'est-ce qu'il y a? Je gèle. Merci. T'es en train de me surveiller? Non. Je suis sûr que tu as tout vu. Vous vous trompez. Je veux la vérité. Je vous promets que je dirai rien. Si au moins je pouvais en être sûr. C'est foutu maintenant. Oh, tu aurais dû le... Et ton foulard, où est-ce que tu l'as mis? Moi? Tu l'as fait tout à l'heure. Non. Mais où est-il? Je sais rien. Peut-être dans la voiture. Ça ne servira à rien de crier. Personne ne t'entendra. Vous êtes bien chez Monsieur Haas. Je suis absent pour le moment, mais en cas d'urgence, vous pourrez laisser un message après le signal sonore. Merci. Mais bien sûr, c'est urgent, un message, ça ne suffit pas. C'est Max. Oui, j'ai fait ce que tu as dit. Je l'ai jeté dans l'Isard, il ne parlera plus. Mais seulement, j'ai pas eu de peau. Une jeune fille m'a vu. Elle est enfermée dans ma cave, je ne peux pas la garder. Dis-moi ce que je dois en faire. Max, tu as dû te tromper.
Il n'y avait pas de paquet à la poste. Mais ça ne fait rien, maman, ça ne fait rien. Hein? Je suis navrée, inspecteur, mais je ne suis pas très intime avec elle. Je la connais depuis que j'ai épousé son père, il y a seulement quelques mois. Et qu'est devenue sa mère? Elle est morte il y a quelques années. Petra avait 12 ans. Ah, c'est mon mari. Je vous prie de m'excuser. Bonjour. Bonjour. Nous avons de la visite. Ah, messieurs. Bonjour. Voici monsieur Hyman de la police criminelle et voici son assistant. La police criminelle? Pourquoi? Petra a été enlevée tout à l'heure. Enlevée? Où ça, au collège? C'est impossible. Votre fille n'y est pas allée aujourd'hui. Elle était en promenade. Vous devez vous tromper. Je connais ma fille, ce n'est pas du tout son genre. J'ai l'impression de vous connaître. Je ne suis pas policier. C'était une erreur. Je suis jardinier. Je suis déjà venu chez vous. J'ai dû m'occuper du jardin. C'est moi qui ai coupé la haie. Je comprends, mais quel rapport avec ma fille? Et depuis cet été, M. Pagel est un ami de votre fille. Ce matin, ils sont partis à bicyclette dans la vallée de l'Isard. Petra a fait une chute et ensuite, M. Pagel est allé au village le plus proche réparer la roue. Et quand il est revenu... Un moment, je vous prie. Que faisait ma fille avec ce genre de garçon? Monsieur Steiner... Silence. Excusez-moi, mais étant donné les circonstances, nous n'avons pas de temps à perdre. De quelles circonstances s'agit-il? Allez-vous enfin me dire ce qui est arrivé, inspecteur? Quelqu'un s'est débarrassé d'un cadavre dans le canal de l'Isard et votre fille a assisté à la scène. L'homme a dû l'apercevoir et il n'avait pas d'autre alternative que de l'emmener. Nous pensons qu'il conduisait un break de couleur rouge. Nous avons ces précieux renseignements grâce à M. Pagel. S'il n'avait pas influencé ma fille, elle serait allée au collège et rien ne se serait produit. Je vous en prie, cette discussion ne nous avance à rien. Si votre fille réussissait à s'échapper ou bien si le kidnappeur vous téléphonait, appelez-moi immédiatement. Oui, bien entendu. Mais ce bilan n'est pas définitif et nous en saurons plus dans notre prochain journal. Voici maintenant un communiqué de la police criminelle. Ce matin, vers 9h30, le cadavre de l'inconnu a été repêché dans l'Isard, au sud de Munich, et la police désire l'identifier. Regardez cette photo. Est-ce que vous reconnaissez cet homme? Les renseignements permettant l'identification de cette personne seront traités avec une grande discrétion. Léo? Elle a été diffusée? Bon. Est-ce qu'on a reçu tes appels? Une minute. Laisse-moi le temps de les noter. Helga Tucher. Sa belle-sœur, c'est intéressant. Hein, est-ce que tu as son adresse? Oui, à tout de suite. Lui, c'est Willy. C'était mon mari, il est mort maintenant. Et voici son frère à côté. Ils sont dans le jardin de leurs grands-parents. Ils passaient souvent leurs vacances ensemble là-bas. Quel âge avait-il? 12 ou 13 ans. Billy était l'aîné de 2 ans. Ce doit être pour moi. Bonjour, madame. Commissaire Kress. Voici mon adjoint, monsieur Johnson. Entrez, monsieur le commissaire. Merci. Madame Tourer a été bouleversée d'apprendre la mort de son beau-frère en regardant la télévision, mais ça ne l'étonne qu'à moitié. Pour quelle raison, madame Tourer? Il n'est pas venu hier après-midi. Et c'est un homme ponctuel. Jamais il ne m'a fait attendre. Et il m'a dit qu'il devait prendre le train en provenance de Francfort seulement. Je savais que ce train devait arriver vers 12h30. Je l'ai attendu jusqu'à 13h. Et ensuite, je me suis inquiétée, alors je lui ai téléphoné. Et personne ne m'a répondu, mais... Oh, excusez-moi, asseyez-vous. Merci. Tu venais souvent habiter chez vous? Oui. Chaque fois qu'il venait à Munich, commissaire. Pour affaire? Oh, la plupart du temps, oui. Et sa profession? Comptable. Il n'était pas salarié, il préférait travailler pour son compte. Au fil des ans, il s'était créé sa clientèle, il avait une bonne réputation. Pourquoi devait-il venir à Munich? Était-ce pour son travail ou à titre privé? Pour les deux. Nous avions prévu une excursion en fin de semaine. Mais d'autre part, il avait un rendez-vous au tribunal, aujourd'hui.
à 10h30. Et on m'a téléphoné ce matin, à 11h environ, il se demandait pourquoi il n'y était pas. Qui a téléphoné? C'était une dame. La secrétaire d'un juge ou d'un procureur, peut-être. Et elle a donné son nom? Pas le sien, non. Mais celui de son chef. Je vais vous le chercher. C'était un procureur, un certain Elberg. Ah, Elberg. Elberg? De la brigade financière. Monsieur le procureur, connaissez-vous cet homme? Ça ne me dit rien. Vous aviez pourtant rendez-vous avec lui à 10h30 ce matin. Ah oui? C'est donc monsieur Thureur, Arnaud Thureur. C'est bien ça. Mais il n'est pas venu. Il est mort, ce qui explique son absence. On a retrouvé son corps ce matin dans le canal de l'Isard. Nous ne connaissons pas encore la cause de sa mort. Vous le connaissiez bien, ce monsieur Thureur? Personnellement, non. Il m'a écrit une lettre contenant certains renseignements il y a 6 semaines. Ensuite, je l'ai eu 3 ou 4 fois au téléphone. Et il m'a proposé de venir témoigner. De quelle affaire s'agissait-il? Écoutez, monsieur le procureur, je ne viendrai pas vous déranger sans raison valable. Pour tout vous dire, cette affaire est en relation avec un enlèvement et le temps nous manque. Et à mon avis, celui qui a assassiné M. Thureur est également celui qui a enlevé la jeune fille de 18 ans. Et nous la recherchons, bien sûr. C'est une tâche ingrate. Et je dois avouer que nous manquons d'indices pour orienter les recherches. Et sans piste, nous courons à l'échec. Cela explique l'assistance qui accompagne ma requête. Quel est le nom de la personne contre qui M. Thureur voulait témoigner? Vous mettez dans l'embarras, monsieur Kress. Non, j'en suis désolé. Oui, dans un grand embarras. Cette personne dont vous voulez le nom est maintenant un chef d'entreprise honnête et particulièrement respecté, ce qui n'a pas toujours été le cas, je dois dire. Au commencement, il a trempé dans des affaires louches. Seulement, nous n'avons jamais réussi à le prouver. Bien souvent, il utilisait des hommes de main. Eh oui. Et tout à coup, un homme venu d'on ne sait où annonce qu'il est prêt à témoigner. Seulement, on ne lui en laisse pas le temps, malheureusement. Mais juste au moment où le tueur jette le corps dans l'Isard, une jeune fille assiste à la scène, il s'en aperçoit et il l'enlève. Alors je ne comprends pas votre embarras. Personne n'aime être réprimandé. Au moins 10 fois, il a réussi à s'en sortir, à être relaxé. Il avait d'excellents avocats. Nous avons toujours été obligés de classer les dossiers. Dans quel genre d'affaires était-il impliqué? Bon, c'était souvent des infractions au code pénal, des escroqueries, des faux, des bilans truqués, des incendies criminels. Tiens donc, des incendies criminels. Vous connaissez les coupables? Vous avez des noms? Oui, bien entendu. Seulement, ils ont tous été libérés. Les conclusions des experts sont sans équivoque sur leurs origines. Comme par hasard, ils ont trouvé à chaque fois que des câbles électriques défectueux étaient à la source du sinistre. De cette façon, il a toujours réussi à me filer entre les doigts. Qu'est-ce qu'ils ont incendié? Immeubles anciens à rénover. Oui, et parti. Ouh là! Il s'agit vraiment d'un gros bonnet. Une autre question. Puisque vous pensiez à ce moment-là que ces incendies étaient criminels, sur qui portaient vos soupçons? Tenez, tout est là, monsieur Heimann. Merci. Un conseil, monsieur Kress. Vous allez faire face à un spécialiste. Faites qu'il ne se doute de rien. C'est un maître S-réaction rapide. Merci, monsieur Elberg. Je vous remercie de ce conseil. J'en tiendrai compte au cours de mon enquête. Thank you.
Celui qui a la veste jaune, c'est As. Bon. Je vais voir notre plan. Je vais aller l'interroger d'abord. Et, bon, Henri, tu ne me quittes pas des yeux une minute. Gert, je te charge d'observer ses moindres faits et gestes. Tu vas certainement avoir besoin d'aide. Il te faudra au moins 3 voitures. Mais surtout, ils ne semblent pas surveillés. Sinon, tout serait à recommencer. Bien sûr, nous ne sommes pas des débutants. Où veux-tu en venir? Je veux lui faire peur. Très bien, ça le fera bouger. Avec un peu de chance, celui qui a kidnappé la fille et celui qui a provoqué les incendies ne sont en réalité qu'une seule et même personne. Ce serait trop beau pour être vrai, mon ami. Brandstätter Max, il achète et répare les voitures accidentées. C'est dans le dossier. Et où est son garage? Ah là. Bon, eh ben on va le voir, mais n'oublie surtout pas que la surveillance de Hans passe en priorité. C'est bien clair? Très clair. Non, absolument pas. Non, monsieur, n'insistez pas. Non, merci, au revoir. Qui c'était? Un représentant en pneu, alors j'ai dit non. Mais pourquoi es-tu si nerveux aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as depuis ce matin? Mais qu'est-ce que tu vas inventer? Ah, regarde-toi. Mais je croyais que tu avais des courses à faire. Oui, ça va, je m'en vais. Je te rapporte quelque chose. Non, j'ai besoin de rien. Vous êtes bien chez Monsieur Haas. Je suis absent pour le moment, mais... Bon sang, où est-ce qu'il est passé? Vous pouvez laisser un message. Café, Monsieur Kress? Volontiers. 2 cafés. Je ne veux pas être dérangé. Ni recevoir de coups de fil. Merci. Merci. C'est drôle, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Est-ce que vous seriez nouveau? Nouveau, moi? Je connais tous les inspecteurs du procureur Helberg. Depuis 10 ans, ils n'ont pas raté une occasion de me harceler. Le procureur Helberg est plutôt orienté vers les crimes et les délits en relation avec les finances. Je suis de la criminelle, mais il nous arrive de collaborer. Connaissez-vous cet homme? Oui, je le reconnais. Il s'appelle Thurer, Arnaud Thurer. Pourquoi? Il lui est arrivé quelque chose? Il était mon comptable il y a 12 ans dans ma société immobilière. Il n'est pas resté longtemps. Combien de temps? Pas plus d'un an et demi. Vous êtes sidérant. Et pourquoi? Pour votre mémoire visuelle? Ah, c'est phénoménal. Ben voilà, un petit comptable rencontré il y a 10 ans. Et vous vous rappelez son nom? À l'époque, nous n'étions qu'une dizaine. Aujourd'hui, nous sommes très nombreux et je ne connais pas tous mes employés. Quand avez-vous vu M. Thurer pour la dernière fois? Je ne l'ai jamais revu depuis cette époque, mais ce serait malvenu de ma part de nier qu'il a téléphoné au bureau la semaine dernière. Que voulait-il? Comment dire, il voulait me préparer à un chantage. Il réclamait 80 000 marques en liquide. C'était pour une affaire vieille de plus de 10 ans. J'ai bien ri, je dois dire. Il croyait m'impressionner en allant trouver le procureur. Merci. Je vous en prie. Avez-vous porté plainte pour ce chantage? Non. Pourquoi, Monsieur Haas? C'est simple, en réalité. S'il fallait que je m'occupe de tous ceux qui se dressent contre moi, je passerais mon temps dans les commissariats de police et je délaisserais mes chantiers. J'ai une réputation à défendre. Je dois surveiller les travaux. Avez-vous une autre question, commissaire? Oui. Et j'aimerais encore une fois avoir recours à votre mémoire. Ouais. Connaissez-vous un certain Max Brandstätter? Max Brandstätter? Non. Je ne connais aucun Max Brandstätter. Navré de ne pouvoir vous aider. Oh. Si vous avez d'autres questions, je vous prierai de passer par mes avocats. Ma secrétaire vous transmettra l'adresse du cabinet. Merci pour le café, Monsieur Haas. Mmh.
Cette idée de passer par vos avocats est excellente. Au revoir. Au revoir. Et communiquez tous les renseignements immédiatement, c'est très important. Y a-t-il d'autres questions? Non, non, ça va. Et on va parler avec As. C'était très bref, mais il m'a semblé satisfait. Bon, et maintenant? Il veut que nous allions rendre visite à Monsieur Brennstetter, au garage. C'est le moulage des traces de pneus? Exact. Oui, mais pas de sa voiture. Il a d'abord hésité, puis l'a raccroché. Il est dans une cabine téléphonique. Ah, bon. Il prend ses précautions au cas où on l'écouterait. Oui, je l'ai en face de moi. Il a plutôt l'air nerveux. C'est un enlèvement, tu t'en rends compte? Tu perds les pédales ces derniers temps. Ça va de pire en pire. Mais bien sûr que oui. Oui, emmène-la le plus loin possible. Surtout, souviens-toi d'une chose, Max. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais parlé tous les deux. C'est clair? Cette horreur, je sais qu'il t'a menacé. Oui, mais tu devais juste le mettre au vert pour quelque temps. Max, ne t'énerve pas, surtout. Tu auras les meilleurs avocats. Si jamais tu es condamné, tu risques d'en prendre pour 2 mois, et puis après... Oui, bien sûr. Non, non, je vous fais confiance. Oui, j'ai bien entendu. Non, non, pas de problème, on se connaît pas. Max, il y a des clients à la cour. Je suis occupé. Et on est fermé aujourd'hui. Mais ils veulent acheter la voiture rouge. En espèces, ils devraient aller voir. Bon, j'arrive tout de suite. Il faut que j'y aille. Oui, oui. Oui, c'est entendu. En espèces. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Monsieur Brandstatter? Oui. Elle me plaît, cette voiture. Combien demandez-vous? Parce que mon associé et moi-même, nous aimerions l'acheter. Mais elle n'est pas à vendre. D'abord, je dois la réparer. Vous voulez la repeindre? Les pneus sont en état, Monsieur Brandstatter? Permettez que mon associé jette un petit coup d'œil. Hé, dites donc, faut pas se gêner. C'est elle. Ce matin, ce break était au bord du canal de l'Isard. Oui, c'est possible. On me l'avait volé il y a 3 jours. Ah, hein? Et la voilà revenue. Oui, exactement, elle est revenue. Je viens de la trouver devant la porte. Cela doit faire au moins une demi-heure. Où est la fille, hein? Mais lâchez-moi! Où elle est maintenant? Police criminelle. Conduisez-nous à la fille. Vite!
que c'est? Petra? Oh. Nous sommes de la police. Est-ce que vous allez bien? Vous voyez, je n'ai rien fait. Venez. Venez, on vous ramène chez vous. Bonjour, monsieur Elberg. Bonjour. Je ne pensais pas vous revoir si rapidement. Merci. Alors, commissaire, ça s'est bien passé? Oui. Nous avons retrouvé la jeune fille. Elle est chez elle en bonne santé. Vous avez arrêté le kidnappeur et transmis le dossier au juge. Il s'agit de Max Brandstatter. Il était un de ceux qui avaient réussi à vous échapper il y a 11 ans. Il a reconnu avoir provoqué la mort d'Arnaud Tucher, mais uniquement parce qu'il ne savait pas qu'il était cardiaque, ce ne serait pas prémédité. Si l'on s'en tient à ses paroles, il voulait seulement l'endormir. L'endormir? Pour quelle raison? C'est ce que nous lui avons demandé. Et il affirme que Tucher l'avait menacé d'aller voir un procureur, en l'occurrence vous-même, et que la date du rendez-vous avait déjà été fixée afin d'éviter cet entretien. Il a eu l'idée de l'endormir avec du chloroforme. Il pensait négocier l'affaire par la suite. Vous voyez ce que je veux dire. Et vous croyez qu'il agit seul? Il n'est sous les ordres de personne? C'est sa version des faits. Nous l'avons interrogé très soigneusement, mais il ne veut pas en démordre. Il dit qu'il ne connaît pas Haas autrement que par la publicité dans les journaux. Quant à moi, je me suis heurté à un nom. Monsieur Haas m'a prié de passer par ses avocats à l'avenir. Toujours les mêmes méthodes. Alors on peut s'entendre, monsieur Helberg. C'est-à-dire? Avec toute l'expérience que vous avez de notre homme, vous allez certainement accepter ma proposition. Commissaire, je crois que... Rassurez-vous, ce n'est pas pour l'arrêter. Je veux seulement un mandat de perquisition. N'y allez pas de main morte. Par où comptez-vous commencer votre perquisition? Ce gars-là a une dizaine de bureaux. Je pensais seulement à son appartement. Il n'y a que la gouvernante chez lui. Et lui, où est-il? Nous le surveillons. Pour le moment, il vient de partir pour sa maison de campagne avec quelques relations d'affaires des Américains. Mmh. Quel serait le motif de cette perquisition? La jeune fille, bien sûr. Petra Steiner. Séquestrée plusieurs heures dans la maison de Brandstatter. Elle nous a très bien décrit son attitude. Il était complètement dépassé par la situation. Il a été pris de panique. Il courait de droite et de gauche. Toutes les deux minutes, elle l'entendait téléphoner. C'était pour recevoir des instructions, à mon avis. Et alors? Ce n'est pas suffisant. J'ai besoin d'un motif valable, monsieur Kress. Je ne veux pas encore me casser le nez dans cette affaire, vous comprenez? Monsieur Elberg, vous croyez être le seul à prendre des risques? Je vais en informer le procureur général, on ne sait jamais. Martin! Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe donc? Je n'ai pas cessé de protester depuis leur arrivée. Ils ne veulent rien comprendre. J'ai même pas pu vous téléphoner. Ce monsieur-là, il a fouillé partout de fond en comble. Bonsoir, monsieur Haas. Vous vous demandez sans doute ce qui m'amène, et surtout si j'en ai le droit. Lisez. Vous pouvez le garder. Je vais prévenir mes avocats. Ce ne sera pas nécessaire, monsieur. D'ailleurs, votre ligne a été coupée. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai téléphoné moi-même à vos avocats. Ils sont en route. Je me suis permis de les convoquer ici parce que je sais que vous préférez un minimum de contact direct avec la police. Je crois les entendre. Venez par ici. Ôte-lui ses menottes. Monsieur Brandstatter, une seule question. Reconnaissez-vous cet homme? Non, non, j'ai jamais vu ce monsieur. Merci. Et vous, monsieur Haas,
Connaissez-vous cet homme? Son nom est Max Brandstatter. Il n'est pas nécessaire de me répondre, il suffit pour cela, tiens, de vos avocats prennent la parole à votre place. Ça suffit, commissaire Kress, expliquez-nous cette farce. Mais certainement. C'est Max. J'ai fait ce que tu m'as dit. Je l'ai jeté dans l'Isard, et il ne parlera plus. Moi seulement, j'ai pas eu de peau. Non, une jeune fille m'a vu, et elle est enfermée dans ma cave. Je ne peux pas la garder. Mais dis-moi ce que je dois en faire.